c'est la BPO. Non, mais t'inquiète, tu vas encore une idée. Il y a du bruit autour de moi. Par cet acte qui s'est déroulé hier. Alors ils sont nombreux depuis ce matin malgré le confinement en se rendant au travail à venir déposer une bougie, rallumer une bougie ou encore déposer des gerbes de fleurs. C'était important pour ces histoires, après l'émotion hier de venir rendre hommage à ces trois victimes de cet acte terroriste. Je vous propose d'équiper deux d'entre eux qu'on a pu déterminer ce matin. Je vous propose, les uns et les autres, quelle que soit votre conviction philosophique, religieuse, quel que soit votre culte, d'observer un bref moment de silence et de recueillement. Vieni qua. Thank you.
Il est parti en fait, en quelque sorte. Il est mort dans l'église. Ok. Vivre tranquillement dans un beau pays comme la France. Et pourtant la haine, autant de haine. S'il vous plaît, arrêtez de nous tuer, j'en peux plus. Excusez-moi, je dois aller travailler, je suis désolée. Pardon. On a son prénom ou pas? Tu as noté son nom? Elle a juste dit qu'elle était française d'origine cambodgienne. D'accord. Il y a France 2 qui est du. Non, je crois qu'il que nous aurions imaginé. C'est l'heure du recueillement et du pardon aussi. C'est l'heure du recueillement. C'est l'heure de l'élévation de l'esprit, de l'élévation du cœur. La souffrance est là. Les chrétiens souffrent comme tout le monde. La foi n'empêche pas la souffrance. Mais la foi permet d'être debout et tête haute devant l'épreuve. C'est ce que nous appelons la résurrection, qui n'est pas pour simplement après-demain, mais qui est pour ici et maintenant. Être debout. L'église va rouvrir ses portes aujourd'hui. Bosconon. Le chanoine Philippe Asso, à deux S.O. Ça s'écrit à deux S.O. À deux S.O. Comment elle va reprendre la vie de l'Église? Vous le verrez au fur et à mesure. Nous sommes aussi en lien avec les autorités, avec les questions de sécurité. Et tout ceci, et vous l'imaginez, se bâtit un peu au fur et à mesure. Pardon, vous êtes qui? J'étais directement touché, puisque desservant parfois cette Église, comme prêtre de ce diocèse, et comme responsable des relations interreligieuses également. Et comment vous vous sentez maintenant? Vous êtes un peu perdu ou vous êtes juste... Nous sommes habitués à faire face aux épreuves. Celle-là est particulièrement tragique. Il s'agit d'une épreuve et donc de la vivre pleinement dans notre cœur, dans notre chair, dans cette émotion, mais aussi de la vivre avec la réaction nécessaire et la réaction pour nous-mêmes, en moi-même si j'ose dire, de relèvement, et la réaction pour toute la société, pour toute la ville de Nice et pour la France, qui est d'essayer d'avancer, de rester debout et d'être unis et solidaires en ces moments où on veut nous diviser, où il est clair que l'on veut nous diviser et on veut abattre à travers l'enseignement, l'assassinat de M. Samuel Paty et l'Église catholique, des fondements et des symboles de notre culture, de notre histoire et de notre civilisation. Je dirais deux choses. La première, recueillez-vous, ne cédez pas à l'immédiateté. Et la deuxième chose, parlez-en entre vous, parlez, et essayez d'être unis, essayez de vous rassembler, essayez de briser les barrières qui vous enferment vous-même et qui risquent d'enfermer les autres. Mais vivez l'émotion de ce moment.